fait deux chinjambé. Du à pas cuit. Manger à pas manger. On va commencer à prendre ça tout là, mais pas vraiment habitué. C'est un bon vinaigre. Mon bon plat de bois. C'est bon. Bienvenue dans qui est qui chef. Jodi a encore, il y a trois cuisiniers qui prennent 45 minutes pour faire un plat pour mettre de trois juges. Son seul cuisinier que y a choisi. Jodi a, nous avons Fred. Nous avons Marie. Nous avons Ed. C'est yo qui parle 45 minutes pour yo présenter plat devant juge là. Yo gen pour faire trois plats pour yo présenter devant juge là. On seul gagnant. Là, nous dans troisième tiers de finale là. Alors m'a quitté chef David dit qui recette qui gagne jodi a dans qui est qui chef pour concours ça. Qui est qui chef jodi a là, recette est vraiment facile. Un, facile encore. Vraiment facile. On a cherché technique, okay. Utilisation ingrédients, magnifique. Présentation. Ouais. Donc un filet de bœuf local. Filet de bœuf local. Filet de bœuf local. Et puis que vous avez fait de toute façon vous voulez. Vous avez coûté, vous avez chili, vous avez sauce, filet de bœuf local. Okay. Alors, c'est facile, mais aussi difficile tout. Oui. Parce que sur côté trop, la bread dans le monde. Alright. Et ingrédients pour mettre là-dedans aujourd'hui là. Oui. On cherche un bagage sur table qui est très intéressant. Qui a fait au bain un petit challenge, on a mis. Cocoyer, on cherche, pas de cocoyer, on cherche non, on cherche un cocoyer, crème de coco pour nous faire le travail. All right. Merci beaucoup. Ok, mais est-ce que vous pouvez faire du riz avec? L'essentiel, tout connaît que le pack a pas gagné du riz, le challenge ça. All right. C'est-à-dire faire du riz fait partie de manger dans l'affaire. On ne peut pas chercher du riz collé, on peut chercher du riz blanc, on ne peut pas chercher du riz persillé. Travail du riz, hein? Travail expertise, nous, c'est long compétition, nous, développer tête, nous, sortir de net. Alright. Ce qui fait que là, je vais tourner tout à l'heure pour me dire trois juges qui prennent pour critiquer ou apprécier ça, trois cuisiniers, ça, à côté pour vous. À tout à l'heure dans qui est qui chef. Pas oublier, je vais regarder qui est qui chef. Qui est qui chef pour présenter nous trois juges qui prennent pour critiquer ou apprécier trois cuisiniers que je t'ai présenté nous déjà. Premier chef là, c'est chef David Guirin. Nous avons chef Ali. Et nous avons chef Cuscus. Na première assiette. Tout d'abord, Avani qui mettait belle table ça devant nous. Bon goût avec l'association Diri Américain qui permet que nous avons des belles émissions. Tout à l'heure, nous allons déraper là, nous allons compter à 4 et puis tout cuisinier a venu faire maquette là pour nous faire un plat qui pourrait le mettre devant juge. Alors nous disons 4, 3, 2, 1 et puis nous partons. Chef David. Oui. Il a toujours dit que viande bœuf local là plus dur que ça étranger. Est-ce que c'est vrai? Mon cher, pour mon qui me viande, qui me fait manger, qui les viandes bœuf local là, ça sont menti. Au contraire, filet de bœuf local là, souvent comme on travaille lui, ok, c'est meilleur que la viande par nous ici. Il n'y a pas moins d'un pile application. Un petit sel poivre, un petit huile d'olive, un petit vierge, quitter le dos et la donne pour un petit temps, c'est pour leur poêler, on sort des peines, très chaud. Fini. Voilà. Mais, dans le même moment, si on prend la gueule de l'eau tiède, de bois bouillir, le moment où on est saisi, on vient de vivre en nous. Ok. Qui te pose une autre question? Est-ce que ça arrivait que vous trouvez que bœuf, par exemple, tu as un bœuf qui sortit au Cap ou un bœuf qui sortit au Caï, il y a un goût différent parce que il n'y a pas dans la même zone, il n'y a pas mangé même zèbre.
bon, ça c'est sûr, on va obtenir ça, évidemment. Mais ça qu'on peut gagner des côtés, gagner des mondes qui vendent viande noire, ils disent c'est grain fed. Ça veut dire que bête ça, ils mangent grain, ils mangent de quoi, ils mangent sont des blé, c'est des bagages ça. Gagne viande, gagne bœuf tout, yo qui la gueule, ça va manger pour manger des potes bagages. So, viande dans les mains, ça le mange, c'est ça. Et ça, ok, c'est bout ça le gagne. Ok, dans quelle direction vous allez jusqu'à présent? Jusqu'à présent, je pense que je vais aller ensemble avec mon patron. Nous avons 45 minutes, maintenant 45 minutes, je vais aller en bas. Bon, beaucoup d'informations, de toute façon. Bon, bien travaux, je vais bien travaux à faire là-bas. Oui, je voulais faire un jury et un trio de jury, je voulais faire. Je vais essayer de faire un trio de jury. Donc, qui sont utilisés? Qui sont qui mêlent? Ceux qui sont concentrés, est-ce qu'on peut baser sur imagination ou bien sur invention ou sous technique? Sous technique, sous imagination, sous invention en même temps. Ajouter miel dans la cuisine. Bon, qui ça miel là côté en plus? Bon, pour moi, miel là, c'est pas l'autre bagaille que c'est en touche. Pour moi, miel. C'est sucré à afficher? Non, c'est pas totalement. Parce que sinon, tu as utilisé sucre. Miel, son bagage qui vraiment qui pas transformé etc, son bagage qui très bio, qui très nature. Donc vraiment leur mettre miel non ils ont mangé, ils viennent faire plus onctueux comparé sous ta mettre un sucre bien bagage comme ça. Vous sentez ils toujours qui me forment et puis ils bagent un autre goût tout qui plus profond pour moi. Mais jusqu'à présent je garde cuisinier bien juste au début, donc pas vraiment bon bagage pour dire. Ok, non me connais, mais est-ce qu'on approche par exemple comme moi, Marie, lui, même quand on fait l'autre avec bien mien. Exactement, pour moi, ça c'est déjà excitant parce que Marie a dit Marie ça va venir là. Donc, je pense que Marie me pensait pas bien souvent. Mais l'autre, vraiment, pour bonheur, ouais. Le bonheur toujours me okay, ok, merci, chef Annie. Davidson capable de dire de filet. Filet, son bagage, l'on décide de cuire dans la façon dans la poêle. Ça va mettre de l'eau là-dedans, ça va essayer de partir de l'autre cuisson pour que tu aies un sucre dans vos cuites. Parce que filet, pas un bagage qui est facile, non? Et ça fait qu'il mange de plusieurs façons. Ça veut dire que pas grand à faire de bien cuit, de pas bien cuit. Ça dépend de qui moun yo présente le bail là. Exactement. Mais là, moi, tout le monde tout, sous bon fil. Il y a un travail. Ok. Et c'est-à-dire tout le monde déjà compte côté au bralé. Tout le monde déjà compte côté au bralé. N'a pas suivre seulement. All right. Comment est là? Ça bon moi la frère. Un jury qui montait au vin blanc. Exactement. Avec filet. Oh bon filet comme ça annex sauté. Est-ce que plat en tête ou? Plat en tête non. Ça fait me cool. Est-ce que cool? OK. Bien. Ça pense chef. Moi pense que ça bien déterminé. Challenge là. Il non belle hauteur. Il me semble une émission qui est une émission que je participe en fait que juge que c'est un chantier plus haut, mais là moi l'autre par contre il va le prendre. Oui, mais 15 minutes passées déjà. 15 minutes passées là. Oui. Les 30 minutes ou même grosso modo, sans pas besoin de réfléchir toi. Combien de façons vous avez fait là? Oh 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 oh! Colombo avec filet, Kafou masala de bœuf avec lui, hein? Quand on se trouve dans nos favelis, un café. Un café. Comment vous voulez les bails encore? Un café. Wellington. Un café. 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 Un café.
filet, prendre un filet presque fin cuit pour mettre au aubergine avec fin fin bail de loi ou mettre l'autre ingrédient, pas bien tout pour yo. Oui. Et puis vous mettez juste au orange amer. Fred, je sens que vous avez fait venir avec un là qui a un jeu, qui a un betterave. Hein? On sauce? Vous dites où là? Ok. Jeu, betterave, la donne qui est beau couleur. Ok. C'est différent. Dégage. Moi, je vois que vous utilisez et thermomètre dans la cuisine. Mm-hmm. Est-ce que. Comment vous faites pour vous dire que vous avez cette température pour Bali, pour Vienne, pas bouler? Est-ce que c'est une expérience qui. Pour vous dire, il vient avec expérience. Okay. Pour le thermomètre, il y a un bon niveau. Est-ce que le thermomètre va permettre de connaître qui degré de cuisson dans Vienne? Il va permettre de degré de cuisson dans Vienne. Mais si vous avez un thermomètre, tout, après des temps d'expérience, après des temps de pratique, vous connaissez que l'homme est Vienne. Density viande là. Okay. En tout cas, d'où si son viande qui séant, semi-séant, okay. Bien cuit. Okay. Bon, so après, on temps, on vient un propre thermomètre dans le cadeau que les vignes dans la tête ou dans le monde. Et puis avec le douet ou exactement. Avec soit fouché. Exactement. Alors là, on fait viande qui plie gros, de quoi font okay, on jarret, on dinde. Là, on oblige qu'on y a là, on oblige le thermomètre là bon pour l'eau qui température vient là. On va pas venir dans le cuit. Pour qu'on ait température. Mais mon cher, c'est l'autre jour, on va apprendre, par exemple, pour fumer en viande, il besoin presque 8 à 10 heures de temps, non? Évidemment. Dépendamment de grosse viande, il y a besoin de temps pour smoker, soit smoker ou non smoker, okay. Pour vraiment. Et, parce que l'homme smoke en viande, il n'y a pas de chaleur à cuite, c'est vapeur, c'est smoke là. Okay. So, ça prend du temps pour les barres, pour mettre sauf si smoke en couleur, ou elle va venir en couleur. Ou sinon, elle va venir en couleur glacée, on met pour son sucre. Vous mettez sur lui. Il y avait un smoke là qui était avec Charles.
Rien ne sert de courir, mais il faut partir à point. Chef Ami, je passe au micro pour te poser deux, trois petites questions, pour que tu aies une réponse. Voilà. Je te reste 5 minutes. Tu penses que tu auras le temps de finir? Oui. Bonjour, bon. Comment est-ce que ça passe? Ça, c'est supposé un ravioli? Yeah. À l'aise. Ça qui est intéressant, c'est que l'IA est à fond, c'est propre à lui. Yeah. Ça, c'est à féliciter. C'est ça, féliciter. Ça, c'est à féliciter. Vite, 4, 3, 2, 1, 0. Qui est-ce qui chef? Non. Dernier tiers de finale a présenté nos premiers cuisiniers qui mettaient plat li devant trois juges chefs yo, qui c'est David Guirin, chef Annie avec chef Gus Gus. Qui fait cuisinier qui dépose plat li, c'est Ed. Qui fait de là, nous pas attendre appréciation ou critique qui s'agit de bail. N'a commencé par David Guirin qui pourrait dire saloué dans plat là. Non seulement j'ai une belle assiette. OK. Et les que vous mélangez sauce coco avec du ya, il doit manger du ya. Et puis et steak là côté que m'te gagne un petit problème, l'aime t'a regardé Jean t'a cuit dans l'était mettre grain de sésame dans côté que le mettons grain il ose mettons grain de sésame qui pas cuit hein que le pas passé. C'est vraiment c'est un travail à féliciter et steak là il y a point Jean que moi même mange un steak. Wow. Et sauce là sauce t'a dû manger du ya. Oh ça. Bon, bon travail. Et bien on passe à deuxième juge chef là qui c'est chef Ami. Ok, et moi-même, ça m'a dit, m'a félicité vraiment parce que lui osé, il était 45 minutes et il prend le soin pour le fond du riz avec chaque saveur que le mettait ensemble. Ça, c'est déjà, le manger du riz en bon fraîcheur. En même temps, son du riz qui tient des chauds, mais on sent son fraîcheur à cause de herbe, il met là-dedans. Pour moi, c'est l'explosion de saveur. Ensuite, pour ces âmes, que par exemple, il mettait 100 cuit là, ou pas prendre ces âmes, mais ça qui ne vient pas déranger, c'est que viennent tellement bon et puis il cuit à point et très simple, pas trop épicé, qui vient en balance avec ou prendre. Ni
goût viennent, ou prend goût sauce là, ou prend goût trois saveurs du riz qui viennent faire une explosion de saveur dans bouche qui magnifique. Wow. Ouais. Okay. Excellent. Quand on a privé sur le grain des grands Gugus. Monsieur, bon moi assiette. Bon moi assiette équilibré. On t'a douté de assiette là pour du riz avec trois couleurs. OK. Parce que on dit ne pas prendre du persillé, ne pas prendre du collé, ça me détend dans un conseil. Monsieur Osé, monsieur pas tant de conseils, mais monsieur tant de ça veut les faire. Vous êtes été précis dans tête, il choisit une recette. Il baille une recette. All right. Et tout en 20 minutes au fini, mm-hmm. Monsieur soit et pas comme cocoya, je dis m'a mettre cocoya. Mais monsieur t'a tant ça, il grand ça va faire cocoya parce que ba on sauce à cocoya qui m'a connu à chaque saveur du yo baille une seule saveur. All right. Et font explosion de goût. Wow. Et bien, il a fait une belle merde. Mais ok, il a fait une merde. Ok, alors la chef David, posez pour moi deux trois questions pour qu'on ait, est-ce que ça a été réalisé à Céline réalisé, je ne sais pas. Ed, je finis de parler. Et un pile bel conseil, un pile bel compliment. Après, je participer dans plusieurs émissions. Vous arrivez là. Comment on a décrit Plaza? Plaza, c'est pas exactement ça que je voulais faire. Mais. Ça manque, c'est ça me baille quand même, mais moi fier de lui. Moi fier de plat. Si je tape pas plat en nom, d'après le poil de bœuf avec trio duré. Pour les bails qui font manger, van, fon et non. Fon non, pas compliqué. Ou est-ce que quand on arrive, que je suis passé de travail, l'autre, ils ont cassé guédé. Tout le monde connaît que les gus gus font cassé guédé. Dernier, les gens qui étaient en tête, ou les gens qui étaient comme arrière-goût. Faut même j'aime manger avec des goûts en bouche. Faut arriver capable de travailler sous finesse ça, pour jouer des noms qui étaient dans la mémoire. Bon, je pense que ça a bien du temps. Non, son conseil me prête. Son conseil me prête. Je ne vais pas exiger lui, mais me prête le conseil là, pour le travail sous lui. Parce que je pense que soit arriver avec une qualité finesse ça, il faut travailler sur lui. Non, all félicitations, right. Félicitations. En tout cas, n'a pas ton bravo pour être encore une fois. Et un petit tout le monde, n'a pas retourné tout à l'heure qui est-ce qui chef avec deuxième cuisinière qui a Marie. Qui est-ce qui chef a présenté nous deuxième assiette que cuisinier Marie mettait devant juge. Là, nous voyons que tout le monde bien assidu sous plat là, il y a goûté, il y a fait appréciation. Nous connaissons que Marie prend pile risque, n'a pas gardé pour elle. Qui ça, juge Gus Gus, a baillé comme impression après sa fin goûter? Moi, je pense que Marie, c'est un futur grand chef. Mais qui a beaucoup encore à apprendre. Pour apprendre à gérer vitesse et précipitation. Je suppose que mettre l'ordre dans la création. Parce que c'est ça qui va le permettre demain. Ou arriver sous pied des stalles qu'on a besoin. C'était très audacieux de faire les raviolis. Et je garantis que l'intérieur, la pâte que tu as mis, tout ça, le ricotta dessus, la décoration, c'est venu avec pas mal de couleurs. C'était beau. Mais au pas qu'on nous mette temps, on pas bon produit fini. Ou bon ravioli, il tape un ravioli sous tes travail pâte là, bien. Et ou bon ravioli, il tape un ravioli si le pâte bon mon petit principe boudon boy. Parce que ravioli en tijan, il fondant. Il fondant en tijan, fondant. Lorsque vous êtes dans la veine, c'est fondant. Et mais ton assiette, à part les teints. Les grains de thym qui sont sur ton ravioli que je n'apprécie pas, tu as une belle assiette très chère. Le goût est là, j'ai pris le goût, c'est bon. François, tu es bien préparé. Et sauce là, et tige betterave là, sous l'IA, crudité avec poivron, avec piment douce là, j'apprécie. Mais le produit pour moi n'est pas fini. Ok, merci chef Gus Gus, chef Annie. Ton impression sur le plat de Marie? Moi-même, et je tiens à féliciter Marie déjà qui s'est poussée parce que c'est pas donné quand tu sais que tu as un temps bien précis pour faire un plat et que tu vas au-delà de toi-même pour inventer quelque chose pour le faire from scratch. I don't know how to say it en français.
Maintenant, pour moi, c'est pas les raviolis. Si tu avais changé le nom, peut-être ça aurait pu passer. Parce que normalement, on sait que ravioli, c'est comme une pâte. C'est comme la lasagne qui, alors qu'on a fait une petite pochette, on met quelque chose à l'intérieur de la lasagne qu'on ferme. C'est très fondant, comme chef Gus Gus vient de le dire. Ensuite, j'apprécie vraiment le gratin de riz que tu as mis, qui est très coquant quand tu manges avec la crème d'avocat que tu as fait avec le noix de coco. C'est excellent. C'est que là, pour moi, le plat est balancé. Les goûts sont là et tout. Mais c'est juste que la seule chose pour moi, l'erreur que tu as faite, c'est que tu as dit que c'était des raviolis. C'est tout. Sinon, si tu avais juste appelé ton plat n'importe comment, etc., moi, je ne saurais te juger. Parce que là, ton jugement est basé sur la pâte qui n'est pas finie. Et ça, ce n'est pas une ravioli. Ensuite, pour revenir, la première remarque que j'ai faite, c'est le thym. Un thym, on sait déjà que ce n'est pas bon pour l'appendice. Donc, le thym, déjà, c'est un herbe qu'on prend toujours l'arôme. OK. On prend l'arôme, on fait tout ce qu'on veut avec, mais on ne le sert pas, ce n'est pas comestible. Parce que ce n'est pas bon pour l'arôme. Tu aurais pu prendre le thym pour faire peut-être une petite décoration dans ton assiette, mais pas le laisser comme ça. Et je sais l'erreur que tu l'as faite, parce que tu l'as sûrement cuit avec ta pâte. Donc, il vient craser et tout, qui vient pas bon résultat, parce qu'on va dire assez temps pour bail. Mais après ça, pour l'équilibrer, il y a une belle couleur. Et ça veut pour moi équilibré, à part que pâte qui ont tige en top qui pas fin bien cuite. Mais sinon, si c'était un vrai mon ravioli de fait, pour moi, c'est excellent. Vraiment. Merci, chef Annie, chef David Guiran. La liste est chercher à Rome. Il prend un, il met le lambeau là, pour chercher à Rome. Non, mais c'est là que il met les pâtes là. Parce qu'il vient faire un mélange ensemble avec un qui a fourré nous joindre là-dedans, parce que moi, je t'ai suivi tout à l'heure. Pour moi-même, on dit que nous avons un ravioli local. Hein, parce que nous travaillons sur le goût local. Non, je sais qu'on a un ravioli. Un ravioli créole. Oui, Libanon a un bagage de créole. Mais, déjà. Chef, on partait quoi des bouillies? Non. On partait quoi des bouillies? Non, mais bon, dis-nous, Aïe, c'est pas fait bizarre. Aïe, c'est fait pâté qu'on est. Ah, non. Le fait qu'on a travaillé avec des produits locaux. Ça, c'est jugement, Pam. Ça, c'est jugement, Pam. Mais quand même, Marie Osé, hein, avec les ingrédients aussi. Avec Ricotta, elle a fait face à eau. Franchement, wow. Ça, c'est un chef. Qu'est-ce que les ingrédients, chef? Pourquoi il y a l'âme? Ça, c'est vraiment technique d'un chef. Mais, okay. Ce que tu as promis avec la pâte, chef, c'est pas... Chef, Gus, laisse parler. Non, mais quand même, je dois vous parler. Oui. Hein? Parce que lui font un travail qui est vraiment excellent. Faut m'apprécier ça, faut me féliciter ça. Et il a travaillé, il montre ça, l'affaire, que il connaît ça, que l'affaire. Ouais. Et dit, il dit, t'es déjà dans tête, lui, depuis avant. Je ne vais pas concentrer sur le pâte de ravioli, parce que ravioli, il n'y a pas de clé pour le faire manger, qu'il a fait. Il juste utilise une pâte pour le mettre un ingrédient secret qui est au travail, là. Nous ne pas concentrer sur lui. Mais quand même, elle a fait de bon travail. Félicitations, ma chère, pour ses pieds devant. Merci, chef David. Alors, nous avons quitté chef David poser Marie question pour qu'on ait, est-ce que le plat l'arrivé. Jean Devlier. Marie, autant des juges parler, tous les trois juges bons, si explication par le souple là. Et surtout, où arriver satisfait avec le plat ça? Bon, pour moi-même, Jean, chef Gus Gus, c'est dit, le plat n'est pas fini. Parce que je devlais vraiment pour ne pas tenter plus fin, parce que je suis petit, maman, ma papa, mal travaille, tout le monde a le travail, chez chef Boyard, je me comprends. Mettez le microwave là, je prends un ravioli pour manger. Ça me devlait faire, c'est pas lui qui me fait. Mais quand même, je pense que je suis proud quand même de ça me faire dans 45 minutes. Ok. Je remercie Marie qui a une opinion sur le plat là. Et je relé troisième cuisinier qui s'est fait. Excusez-moi, Georges, j'avais relé. Je m'en demande personnellement. Vous avez une opinion que chef Gugu a. Je m'en demande personnellement pour recette ça. Pour redéfinir, reviser et puis représenter. Dans n'importe quel bagage, dans n'importe quel côté. Je m'en demande pour faire une recette forte. Parce que il y a potentiel. Merci, chef Gugus. Ce qui fait que, qui est-ce qui chef pour le présenter nous? Troisième cuisinière, qui c'est Fred, qui va le mettre plat, cougnant devant trois juges chefs, capitaine, pour yo bail, opinion, yo, avec critique, yo, sous ça que Fred a présenté. Bienvenue encore dans qui est-ce qui chef. On continue avec troisième cuisinière, qui c'est Fred, qui dépose plat devant trois juges, yo, qui quand a goûté, et qui prend opinion. Là, je ne sais pas qui prend le goûter.
Mais nous pral demander chef Annie s'il est capable de dire qui impressionne de plat Fred mettait devant nous. Ça va être toi étonné, pas li pas épaté mon tête. Ensuite, le monde goûter du rentré acide. Juste le goût acide là, ensuite bien non vraiment dur. Et puis comprendre pour ça vient dans grand pile acide, peut-être qu'il te mettait citron en chair là avant de sauter, qui vient faire très raide, très raide ou bien trop cuite. Pas grand qu'un tenderness ça donne. Bon, pas de gâteau goûter zoyon parce qu'elle vient pas intéressé, parce que pas va ça va mettre. And then bon pour moi c'est voilà, j'ai pas grand chose à dire. Chef Annie, alors tout on est que nous mangé pitié c'est la dernière qui servir en tout. Si par contre c'est peut-être les petits temps. Ça fait bien non, j'ai raide là, non? Non, il est très raide. Très raide. Il était qu'à frette, okay. Mais pas dû à ce point. C'est comme s'il est surcuit. Ok. Chef David Guiran, qui ça a pour vous dire comme impression? Déjà, je suis un peu plus qui m'a présenté devant. Ok. Et là, je suis goûté bien là. Pour moi-même, bien là, il y a un goût. Bien là, il y a un goût, mais du y a pas de moyen. Et puis, il n'est pas arrivé sur moi. Alright. Chef Gus Gus. Si ils ont un poivron très bon. Ils ont un poivron? Oui, ils ont un poivron très bon. Ok. Bien grillé. Bien grillé. Bien grillé. Et bien tiré, puis ça donne. Moi, même. Mais je ne vais pas manger bien parce que il est trop cuit. Et filet à, vous connaissez depuis le trop cuit. Filet à chiré, vous prenez gol. Même j'ai un tout dur, il y a l'impression que monsieur fait que le pas goûté. Et il y a une différence pas faire entre décorer un assiette avec une sauce, un appel un assiette avec une sauce, avec salon un assiette avec une sauce. Je vais présenter ma assiette là, c'est que c'est reste pas avec un castrolope quand il y a dit ah, il y a une sauce, il y a et après elle comme ça. Et du coup, t'as les jeunes, pourquoi nous pas d'accord même t'as les. Non, mais pas sacrifier. Pas sacrifier. C'est que. Comme je disais la janvier, pas faute. Pas dire janvier. Vous connaissez tous les hauts, hein? Oui. Vous connaissez mes mains, toujours challenge, pas vrai? Yeah. Mais yeah. Ça, je ne pas jouer assiette la donne. Nous jouons le même principe divorce là. Eh bien, ok. Le goût est de la viande, c'est trop cuit. Le riz, je ne parle même pas d'huile. Parce que je ne parle pas d'huile là. Et je me suis dit, pendant que je fais là, je passe à côté, pendant le conseil, je me dis, vous gratinez du riz ça? Vous suivez ça? Parce que je dis à pour moi, le pot de cuite à niveau pour ta tour à gâteau. Oui, je me dérape le demander demande, monsieur, question ça. Azouan, qui veut dire. Ta merde n'est pas jolie. Ok. Ce qui veut quitter chef David, poser Fred deux, trois questions sur ça, le fait. Qu'est-ce que l'arrivée fait? Et Fred, ça, c'est le troisième challenge. Et nous arrivons là. Et juge, bon, bel conseil. Et il était vraiment patient avant. Mais ou arrivé que pas vraiment atteindre la plate là. Et sur ça, c'est fait des plates ça quand même. Je vous remercie pour l'impression et que c'est certainement, moi j'ai n'importe deux sauces que je n'ai pas fait. Ok. Et puis tout, moi je crois que pendant deux participations, moi toujours passe en dernier et surtout, ça a toujours un problème ensemble avec Vin. Oh, ok. C'est pas ça qui réellement remarque là. Ok. Donc, c'est que n'a pas avancé pour vivre devant. Okay. C'est juste un rebond et puis n'a pas avancé. Bon bagaille, félicitations Fred. Nous dit merci job, à Fred, good job, parce qu'il est arrivé quand même présent ton plat après 45 minutes. Et nous dit tout le monde, verdict bye bye. Et à tout à l'heure dans qui est-ce qui chef. Qui est-ce qui chef? Vini à verdict sous trois cuisiniers ça. Évidemment, tout le monde entendait critique et appréciation. Dans pile qui dit, quand vous dites là, Dieu vous dit, mais il dit quand même, ok, ce qui fait que nous ne pouvons pas arriver dans le verdict là. Nous saluons Avani qui était bonne belle table là, pour que cuisinier ça ait bonne belle plat. Nous saluons Bon Goût, de ce que nous sponsorisons l'émission ça, et nous saluons l'association d'Iri américain qui permet que l'émission ça a réalisé tout. Là, nous arrivons dans le verdict final là. En pile râle mené qu'à Sévigny, mais nous sortis quand même pas en jugement parce que on juge son jugement. On jugement et son jugement. Ok, on jugement son jugement, il n'est pas condamné personne.
évidemment, et tout le monde fait ça, on est capable de tenter pour tout le monde, en même temps, ce qui fait que le verdict la sortie. Et là, je remercie chef David parce que il était bon côté, je l'ai pris en pile de bagaille. Et nous prenons le chef Gugus pour le venir verdict qui tombait sous trois cuisiniers, ça, encore une fois. Madame Marie, si j'ai pris. Marie, vous saluez la compétence technique. D'accord? Je ne dis pas, je suis venu dans le remarque. Et quand nous parlons de ça pendant une semaine, n'est-ce pas? Et technique intéressant. Mais un côté pas fini filé, un côté qui ont jambisé pour fini filé. Et que même si tu es filé, et même si tu es présent pour m'accompagner pour continuer à filer. D'accord? Et qui est-ce qui chef pas perdant, pas gagnant? D'accord avec vous? L'esprit qui est chef qui va perdre et gagner, c'est challenge tête nous pour nous sortir avec des résultats meilleurs. Et pour nous apprendre et pour nous corriger. Donc pour nous corriger certains bagages ou bien pour nous améliorer certains bagages. Moi-même, je m'en dois personnellement, chef Gus Mando, pour travailler sur le timing. Tu embrasses trop de choses dans ta cuisine et il fait technique pour la biaiser. D'accord? Et ça, moi, je m'en dois de tout cœur. D'accord? Et Ed, je demande même bagarre. Je demande pas faire manger pour ranger manger dans l'assiette. Parce que pas machin de manger. Mais faire manger pour créer. Chercher ou bien on tient trois dormir sous ce qu'on fait déjà. Ou trois jouer safety ou pas aller explorer ça dans la cuisine. Mais ils vont parfois leur jouer assurance ou faire ce qu'on est. C'est pas mauvais, mais dans tous les cas, nos challenges n'est pas vraiment paraît belle que l'on fait ce qu'on est déjà. Nous tous les deux gagnons bon côté et mauvais côté parce que la vie a fait un équilibre, d'accord? Et m'a délibéré pour me dire, tu n'as pas perdu. Et tant que je suis dit, ou pas l'entrée dans l'université ou dans la mission, tu as pas tout l'année qui va venir prochain. Mais on va pas tout l'année ça, parce que quand tu es à prendre, bon travail pour finir faire sous que vous allez faire pour tourner. D'accord? Avec ton talent. Moi je te le dis, tu as beaucoup de talent. Et aide ou apprêter. Même penser que sous pas travail, création, ou pas faire long feu. D'accord? Et m'a rappelé nous. Depuis que j'ai commencé à travailler avec nous, je me challenge nous pour dire non seulement juste. Je suis drastique, je suis dur, même juste. Si toi, tu regardes au fond de toi, tu vas voir ce qui ne marche pas. Et je pense que tu l'as vu. Et tu peux arranger. Tu as le pouvoir d'arranger. Ce qui fait. Verdict là, c'est quoi? Là, aide reste. Aide. Mais. Reste. Ce qui fait, c'est aide reste. Qui est le candidat. Aide reste. Mm-hmm. Comme candidat qui va en finale. Annie va venir avec une autre sac de couteau parce que je pense que vous rappelez un paquet de bagailles dans la cuisine. Vous rappelez l'aimé fait si. Et folie ça chérie. Sous pas joindre des mouns, sous joindre moun qui dit ou bon, pas d'accord avec eux. Faut joindre plus moun qui dit pas bon pour qu'il y ait une sorte de douille. Pas oublier petit mot ça. Alors, je vais aide. Qui c'est symboliquement, champion? Qui c'est champion? Champion, non, pas champion. Non. Il a demi en finale. Écoute, il c'est champion pour série ça. Pour série ça. Oui. Et Annie a promis tout. Avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect, technique, imagination, etc. C'est pas moi seulement qui le dis, voilà. Tout le monde le dit à l'unanimité. Moi, je suis un futur grand chef. Tu m'as répété, j'ai dit ça. J'avais dit ça, n'est-ce pas? Merci voilà, beaucoup. Voilà, verdict a tombé. Aide pour aller en finale avec dans la prochaine émission. Aide pour parler Aide, Réginal, Dan et Jean-René. C'est aux quatre là qui pourraient faire finale là pour qu'on vraiment qui est qui chef. Qui chef.